Ici aussi, Facebook, la solution publicitaire de Facebook, est pertinente pour quasiment toutes les entreprises. Que vous soyez dans le B2C ou dans le B2B, Facebook s'adresse est pertinent pour votre entreprise. Dans le cas du B2B, ça peut paraître un petit peu moins évident parce que sur Facebook, on va venir cibler des particuliers, des gens comme vous et moi. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière un particulier, il y a un professionnel. Et c'est là que en fait, Facebook reste aussi intéressant pour les entreprises parce que Facebook permet d'utiliser des options de ciblage qui sont vraiment centrées sur les centres d'intérêt des personnes. Donc Facebook est capable de savoir si vous êtes intéressé par des solutions de finance ou si vous êtes intéressé par des solutions plutôt capillaires. Ce qui fait de Facebook une arme redoutable aussi bien pour les B2C que pour les B2B. C'est super intéressant ici de comprendre la différence aussi entre Facebook et Google. Google est une plateforme où concrètement, comme je viens de l'expliquer, on va venir répondre à une demande qui est exprimée sur Google. Dans le cas de Facebook, ça ne fonctionne pas du tout de la même façon. On va venir en fait juste afficher des publicités comme ce serait avec un 4x3 ou un billboard dans la rue auprès des personnes lorsqu'elles naviguent sur Facebook. Ce qui est intéressant, c'est que Facebook vous permet de toucher les gens en fonction de leur affinité. C'est pour ça en fait que c'est aussi intéressant pour les B2B parce que Facebook est capable de savoir si vous vous intéressez aux solutions de finance, si vous vous intéressez à des solutions de CRM qui vont être des indicateurs qui vont vous permettre de toucher votre cible. Donc pour ces raisons-là, Facebook est pertinent pour les B2B et pour les B2C et est vraiment complémentaire à des outils comme Google parce que ça va vous permettre d'aller chercher les gens qui ne vous recherchent pas. Et par exemple, si on en revient aux sociétés innovantes, vous allez pouvoir beaucoup plus vous éclater sur Facebook Ads et trouver votre audience parce que vous allez pouvoir avoir tout le loisir de venir présenter votre produit en vidéo et de créer en fait finalement le besoin. Et surtout, autre chose très intéressante, c'est que sur Facebook, généralement, quand votre publicité est visible, vous n'êtes en concurrence avec personne d'autre. C'est vous et l'utilisateur et vous avez une relation privilégiée, une connexion privilégiée, vous pouvez vous adresser à eux sans qu'il y ait de bruit externe.